Good morning, Aleiden, les tuisses aujourd'hui, le Nishmat Amram Yona Ben Chana, Peggy Batester, Nissim Bat Ahuda, Shishporti, Shemechel Novikov, et aussi l'Irfouat Rout, Bat Kloudin Traina, Simcha Bat Masin Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masichet Eduyot, Perek Aleph, Mishna Yud Gimel. Misha Chetzio Eved, Vechetzio Ben Chorin, Oved et Rabo Yom Echad, Vet Atzmo Yom Echad, Divrei Bet Hillel. אמרו להם בית שמאי, תיקנתם את רבו ואת עצמו לא תיקנתם. לשא שפחה אינו יכול, בת חורין אינו יכול, להיבטל ועלו לא נברא העולם אלא לפריה וריביה, שנאמר לו תוהו ברעה לשבת יצרה. אלא מפני תיקון העולם, כופין את רבו ועושה אותו בן חורין, וכותב שטר על חצי דמיו, חזרו בית הלל להורות כבית שמאי. רפלה dans notre Mishnah, d'une situation très originale. Mishechetzio, Eved vechetzio ben Chorin. Une personne qui est à moitié esclave, à moitié homme libre. Comment on se retrouve dans une situation pareille? D'abord, c'est quoi un esclave? Un esclave, là on va parler de ce qu'on appelle un esclave Eved Knaani, un esclave Goy, que l'on achète. Lorsqu'on l'achète, si c'est un homme, il faut lui faire le Brit Mila, on va le tremper au Mikveh, et puis il va désormais avoir un statut d'esclave Eved Knaani. Il a plein de halachot qui vont l'incomber. Précisément, il va avoir un même statut, il va être engagé, autant que les femmes sont engagées dans les mitzvot, à faire toutes les mitzvot lota assez, et les mitzvot assez qui ne sont pas chez l'Oazman Grama, et il va être fatour d'accomplir les mitzvot assez chez l'Oazman Grama. D'accord? Ça, c'est pour la... introduction générale, c'est quoi un esclave? Maintenant, on se retrouve dans... ça reste un bien de la famille. Une personne qui décède, ses héritiers héritent aussi de l'esclave éternellement. Si cet esclave a, si c'est une servante, une shifra knaanite, une servante goya aussi qu'il a achetée, donc il a trempé aussi le mikvé pour qu'elle devienne son bien. Si elle va avoir des enfants par exemple, ce sera aussi des esclaves qui appartiendront au maître. À la différence du Eved Ivri, qui est un statut très différent. Le Eved Ivri, c'est un esclave qui est juif, qui se vend en esclave chez un juif ou chez un goy. C'est tout un autre sujet, c'est pas notre problème maintenant. D'accord? Maintenant, on va parler d'un esclave qui appartenait en fait à deux associés. Par exemple, plusieurs situations où finalement, on va apporter deux cas de figure qui sont rapportés dans le Barthénora. D'abord, situation simple. Moi, j'ai un associé sur cet esclave et mon associé décide de libérer son esclave. Donc il écrit un shtar, un get shichur, il va écrire pour libérer un esclave, c'est soit en recevant de l'argent pour le libérer, soit il écrit un get shichur, un contrat, un get, un shtar shichur, d'accord? Et lui, il lui a écrit. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'évêque, il devient à moitié libre, parce que sa moitié qu'il avait dans cet esclave a été libérée. Mais moi, ma moitié à moi, elle reste encore présente, donc ça, il reste encore esclave. Il est à moitié esclave, à moitié homme libre. Il y a encore une autre situation, plus simple même, c'est que j'avais un esclave qui appartenait que à moi, une personne qui est venue et qui m'a donné la moitié de la somme de l'esclave en me disant, tiens, prends cet argent pour libérer la moitié. Donc moi j'ai encaissé cet argent et je l'ai libéré à moitié. C'est la deuxième proposition de la Gemara, ça se trouve dans Gittin, c'est rapporté ici dans le Mortanoir, les deux cas de figure, d'accord? Un esclave qui appartenait à deux associés, et l'un des deux l'a libéré, inami ou encore, chez Kibel Rabo Mimeno Chatsidamav, que le maître a reçu la moitié de sa valeur, et donc il a, en contrepartie, il a libéré la moitié de cet esclave. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cet esclave? Alors, Beth Hillel commence à nous donner le partage de base à faire, qui est Oved et Rabo Yom Echad, Vet Atzmo Yom Echad. Cet esclave devra un jour sur deux servir son maître et un jour sur deux travailler à son compte. Telle est la vie de Beth Hillel, Divrei Beth Hillel. Notion très simple, ça nous rapporte cette fois-ci au premier pérec de Baba Batra. Lorsqu'on a quelque chose en association avec quelqu'un qu'on ne peut pas partager, un stander, on ne peut pas le couper en deux, qu'est-ce qu'on va faire? La moitié ne va pas tenir debout. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, au lieu de se le partager quantitativement, on va se le partager qualitativement, on va se faire, ou je ne sais pas comment dire, temporellement plutôt, on va se le partager dans le temps, on va dire ben, un jour pour moi, un jour pour toi, ou bien une semaine moi, une semaine toi. On va se le partager de la sorte. D'accord? Un jour, un jour. Ça, c'est la vie de Beth Hillel. On fait la même chose avec l'esclave. Puisqu'on a maintenant cette situation bloquée, l'esclave, il est à moitié à moi, à moitié à lui-même. Eh bien, on va faire un jour pour moi, un jour pour lui-même, pour son compte. Telle est la vie de Beth Hillel.
Amrou laem bet shamay. Bet shamay aurait torqué bet hillel. Et lui ont dit, écoutez, tikantem et rabo, bet atzmo lo tikantem. Vous avez, certes, bet hillel, apporté une solution pour le maître, c'est-à-dire moi, je possédais la moitié, et j'ai effectivement un esclave qui va travailler à moitié pour moi et à moitié pour quelqu'un d'autre. Donc, ils ont été metaken le rav, le maître. Ouais, un rav, c'est un maître. Donc, tikat et maître abo, vous avez réparé, résolu le problème qui se posait face au maître. Comment allait-il exploiter la moitié de son bien? Eh bien, vous avez trouvé une solution, qui travaille un jour sur deux. Vet atzmo lo tikantem, le pauvre esclave, vous ne l'avez pas du tout réparé. Pourquoi? Certes, il va pouvoir travailler un jour sur deux. Mais regardez la situation difficile. Lisa Shifra enoyachol. Se marier avec une servante, il ne pourra plus. Batrorin enoyachol. Et il ne pourra pas se marier non plus avec une femme libre. Soit, lorsque cet esclave est un esclave, il a le droit de se marier avec une servante. Goya, Shifra Knanit, comme lui. Lorsque cet esclave est libéré, il a le droit de se marier avec une Bat Israël, avec une femme libre. Ouais, converti, une femme même de pure souche, aucun problème, c'est permis. Mais lorsqu'il est à moitié, mais bien sûr, un homme libre n'a pas le droit de se marier avec une Shifra. Et inversement aussi, un esclave n'a pas le droit d'aller avec une femme libre. D'accord? Les esclaves avec les esclaves et les hommes libres avec les hommes libres. On n'a pas le droit ici de se croiser entre eux. De ce fait, maintenant, celui-là, il est à moitié-moitié. Comment est-ce qu'il va faire? Il a sa moitié libre et sa moitié, et sa deuxième moitié qui est un esclave. Il va vouloir se marier avec une femme libre, on va dire non, hey, lui, il n'a pas le droit d'aller de se marier avec cette femme. Et il va vouloir maintenant alors prendre une chifra, on va dire mais non, t'as partie libre, t'as pas le droit d'aller avec elle. T'es un homme libre, t'es à moitié libre. Alors comment est-ce qu'il fait? Il est bloqué. Il ne peut pas se marier. C'est-à-dire, Bachamay dit à Bachilal, regardez, vous avez apporté une solution pour le maître. Certes, il va réussir maintenant à exploiter sa moitié. Mais le pauvre esclave, lui, il est bloqué complètement. Concrètement, il va travailler un jour sur deux. Mais pendant ce jour sur deux, il ne va pas pouvoir avoir une femme libre un jour sur deux et une esclave un jour sur deux. Parce que constamment, il y a en lui la moitié libre et la moitié esclave qui sont constamment toutes les deux présentes et qui vont l'empêcher de se marier avec une femme libre comme une servante. Alors quoi, qu'est-ce que vous proposez? Ben, Libatel, peut-être vous allez me dire, ben tant pis, qu'il se débrouille. D'accord? Qu'il devienne un moine. Ouais, il aura plus de rapport avec personne. Et puis il se mariera plus. C'est pas possible. Ve'alol onivra olam el alepiria verivia. Hachem a créé ce monde uniquement l'epiria verivia pour qu'on se reproduise. Et là, la Mishnah rapporte un pasouk original qui n'est pas le pasouk de Perur vous du livre de Bereshit. De la paracha de Bereshit, mais plutôt chez Neymar, l'auto ou Bera'a, la chevet, etc. Que le pasouk nous dit, le Hachem n'a pas créé la terre pour qu'elle reste tohu, qu'elle reste vide et non peuplée. La chevet, etc. Hachem a créé cette terre pour qu'on la peuple. Il y a une mise à d'avoir des enfants sur terre. Pourquoi on n'a pas rapporté le pasouk de Pérour, vous? Pour la simple raison qu'un esclave, Tosot qui explique ça, un esclave, lorsqu'il se marie avec une femme, avec une servante, il n'accomplit pas la mise de Piria Verivia, étant donné que les enfants qu'il va avoir ne seront pas considérés comme ses propres enfants. Il n'a pas la possibilité d'accomplir cette mise de Pérour, vous, ou Milou et Taharetz, étant donné que ce ne sera pas considéré comme ses enfants. Mais quand même, il y a quand même une mitzvah de peupler le monde. C'est rapporté comme ça dans le passage de Ishaïa, où on est dans la Nevi'im, on n'est plus dans la Torah. D'accord? Donc de ce fait, on ne peut pas laisser cet esclave bloqué. Et là, donc, Bachamay va nous donner la solution. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce pauvre esclave? Comment il va pouvoir se départager entre les deux? Mipne tikkun haolam. Pour le bon déroulement du monde, kofi net rabo. On va forcer son maître. Donc moi, pour venir au cas où maintenant c'était moi le possesseur de ce mi-esclave, mi-homme libre, kofi net rabo. On va forcer son maître. Veose oto ben chorin. Et on va m'imposer à moi de le libérer. Vekotev shtar al chatsi damav, et l'esclave va m'écrire un contrat de reconnaissance de dette comme si qu'il me doit de l'argent, la moitié de sa valeur. Soit, initialement l'esclave coûtait 10 000, on m'a donné 5 000 pour le libérer à moitié, ou bien mon associé l'a libéré à moitié. Maintenant moi je possède en lui 5 000, c'est de là mon droit à lui demander de travailler un jour sur deux, eh ben, on va m'imposer à moi de libérer mon esclave, de lui écrire un shtar shichur, un get shichur, un get par lequel je vais le libérer, et lui, en retour, il va m'écrire une reconnaissance de dette que
dans la prochaine année, il s'engage à m'apporter les 5 000 pour payer sa propre moitié. Chazrou Bet Hillel, les Hurot que Bet Shammai et Bet Hillel sont finalement revenus pour enseigner et reconnaître, donc ils se sont pliés en fait à la vie de Shammai, et la halakha a été établie comme Shammai, qu'on va forcer le maître de le libérer afin qu'il puisse se marier avec une femme, donc avec une femme libre cette fois-ci. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.